Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Ouais, je suis en spectacle tous les samedis. Bref, le Real Madrid, on va pas se mentir, ce n'est pas ce qu'on croit, hein? Alavés, 3-2. C'est quoi ça? Les merengues sont devenus des moins ringués. Tu vois ce que je veux dire? Alors que il y a des joueurs qui sont tous, hein, dans le classement du Ballon d'Or, du gardien jusqu'à l'attaquant. Ils sont tous au Ballon d'Or et ils jouent contre Alavés. Il y a 3-2. 1-0 au bout de 10 minutes, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. C'est quoi ça? C'est vous les Galactiques? Hein? Vous deviez rouler sur la Liga. Mbappé, il devait dribbler tous les défenseurs de la Liga. Mais il n'y a rien qui se passe comme prévu. Hein? On voit que défensivement, hein, il y a du relâchement. On voit que l'équipe n'est pas soudée, que les passes ne sont pas fluides. On voit des petites actions comme ça, rapides, de 1, 2 minutes. On se dit, ah, le Real Madrid a du potentiel. Mais c'est quoi ça? Contre Alavés, contre je sais pas qui, contre je sais pas quoi. À chaque fois, c'est serré. Hein? Donc là, il va falloir faire des choses de manière drastique. On va pas se mentir. Il y a des joueurs qui sont sur le banc qui méritent largement d'être titulaire. Je pense bien sûr au petit Marocain Brahim. Oh là là, quand il rentre sur le terrain, mais il vient montrer son envie. Et bien sûr, le seul, l'unique, Endrick. Qu'est-ce que ces deux personnes font sur le banc? Répondez-moi. Donc le Real Madrid est devenu un club qui vend des maillots? C'est ça que nous allons expliquer? Hein? Car il y a des joueurs qui ont des salaires, qui sont obligés de jouer, sinon c'est pas rentable. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Hein? Le Real Madrid, c'est devenu le Paris Saint-Germain? Hein? Où les joueurs qui ont beaucoup d'abonnés sont obligés de jouer? Hein? Ah! C'est ça. Voilà, quand on vous disait, faites attention, quand vous prenez Mobutu, on vous l'a dit. On vous a prévenu. Hein? Voilà maintenant, le Real Madrid lutte contre Alavés. Le Real Madrid lutte contre Giron. Le Real Madrid face au Barcelone, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Non, parce que en matière d'équipe, là, hein, le Real Madrid, zéro. Zéro. C'est Bellingham, Mbappé, ils font une action. C'est Vinicius, Rodrigo, ils font une action. C'est Rodrigo, Mbappé qui font une action. Mais il n'y a pas d'action construite qui part du gardien, qui vole jusqu'au but. Zéro. Rien. Nul. Ils sont là, ils font des petites passes, ils font des petits dribbles. C'est zéro, c'est nul à regarder. J'ai regardé. Franchement, je me suis ennuyé. C'est ça? Hein? Une équipe nulle à regarder. Même vous, supporters du Real, ça vous fait plaisir de voir le Real Madrid jouer comme ça? Soyez sincères. Hein? Ça vous fait plaisir? Ça, est-ce que ça vous fait plaisir? Réponds-moi. T'es là, maison blanche, mais alors, hein? C'est qui là? C'est qui? On comprend rien. Vous avez acheté Barack Obama, hein? Barack Obama, Barack Obama. Et ça sert à rien.